Bonjour YouTube, bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as mangé les petites patates. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, comme d'habitude. Vous voyez peut-être quelques petites différences sur le jeu. C'est normal, je suis sur le launcher de l'alpha du mode Ruthless. J'y ai eu accès, alors pour la petite anecdote, je m'étais inscrit à l'alpha et je scrutais ma boîte mail en attendant le mail. Et en fait, il s'avère que c'était un message qui a été envoyé sur le site, sur mon compte sur le site de Paths of Exile. Et donc du coup, j'ai loupé pendant 2 semaines que j'avais accès à l'alpha. Donc je suis arrivé un peu tardivement dessus. Je vais quand même me permettre de vous donner mon ressenti par rapport à tout ça, notamment pour ceux qui seraient intéressés vendredi de se lancer dans l'aventure Ruthless, ou plus tard du reste, avec la nouvelle ligue. Vidéo pour ceux voilà, qui voudraient se tenter le mode Ruthless, ce à quoi ils doivent s'attendre, et puis aussi vous donner quelques petits conseils. J'ai pas la prétention d'être un grand maître du jeu, et à plus forte raison de Ruthless qui est particulièrement difficile, moi je vous donne les conseils que je me donne à moi, vous en faites ce que vous voulez, vous verrez bien ce qu'il en est. Donc, pour rappel, le mode Ruthless, donc nouveau mode de jeu qui va arriver là pour la Ligue Sanctum, comme le SSF et le mode Hardcore, hein, c'est une option à cocher. Et ce que ça va faire, principalement, c'est nerfer drastiquement le loot. J'arrive à la fin du leveling et j'ai pas mis de loot filter et ça a pas été très dérangeant. Hein, donc, c'est vraiment une réduction drastique du loot. On n'a pas accès aux compétences de mouvement. Pendant tout le leveling, et même après, vous n'avez pas accès à des marchands pour vous acheter vos gemmes. C'est pourquoi, là, sur mon personnage, j'ai aucune aura, et j'ai très peu de gemmes de support qui correspondent même pas tout à fait à la gemme que je joue en termes de dégâts. Aussi très important, quand vous combattez les boss d'actes, par exemple, si vous mourrez pendant le combat, lorsque vous revenez, ils ont récupéré une grosse portion de leur vie. J'ai pas regardé exactement, mais je dirais que ça se situe entre un tiers et la moitié de leur vie qui est régénérée. Vous n'avez pas accès à votre bench de craft. Les échanges avec les vendeurs sont beaucoup plus défavorables. Les items bleus, quand vous les vendez, identifiés, vous n'avez pas des altérations shard. Hein. Les 4 altérations que j'ai ici, c'est celles que j'ai droppées pendant tout le leveling. Vous n'avez que des transmutations de shard en petite quantité. Donc vraiment, accès à très 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 peu de ressources. Les vendeurs ne vous vendent pas d'anneaux, de ceintures et d'amulettes. Toute la géorie, ils ne la vendent pas. Donc il faut essayer d'en dropper comme vous pouvez, sachant que le drop est très 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 faible. Donc vous allez sur quelque chose d'assez difficile. Et j'en suis juste à la fin des actes. Mais après, ça va être encore une autre ambiance, puisque au niveau des maps, pour les dropper, comme c'est un loot, le nerf est très diminué, donc il faudra les crafter fort pour essayer d'avoir des maps de niveau supérieur. Cependant, vous n'aurez pas les currencies pour les crafter. Bref, un mode de jeu qui compte beaucoup sur l'attrition et qui va vous pousser dans vos retranchements. Soyez prévenus, ça va être difficile. Alors quel intérêt, me direz-vous, de jouer dans ce mode-là? Comme de jouer en hardcore ou en SSF, c'est une difficulté supplémentaire qu'on s'inflige parce qu'on le veut bien. Et pour le coup, moi je suis vraiment pas déçu, en tout cas de l'expérience de leveling. C'est ma meilleure expérience de leveling depuis que j'ai commencé le jeu. Chaque choix est très important. Les combats des boss sont des moments qui peuvent être extrêmement tendus. On sait que si on meurt, il va récupérer ses points de vie. C'est pas comme le hardcore où on perd quand même tout le perso, mais ça veut dire qu'il faut faire quasiment tout le combat deathless, quoi. Donc c'est très challengeant, sachant que bien sûr, on n'a pas les auras, on n'a pas les gemmes de support qu'il faut, on n'a pas le stuff qu'il faut. Là, j'arrive tout juste à caper mes résistances, mais je vais me battre contre Kitava et je vais reprendre à moins 30. Donc c'est très compliqué. Et c'est ça qui est cool. Beaucoup de questions à se poser, beaucoup de remises en question de comment on perçoit le jeu. Et puis c'est très intéressant, enfin, en tout cas pour moi. Bien sûr, ça prend plus de temps. Alors là, je suis parti sur une compétence de corps à corps avec un jus qui se traîne le cul. J'ai jamais été un foudre de guerre pour le leveling. Et en plus, j'ai fait toutes les quêtes secondaires pour voir un petit peu ce qu'on pouvait dropper à droite, en prévision du vrai start de vendredi. Et si je regarde mon slash played,
on en est à 22h45, hein, pour aller à la fin des actes. Donc voilà, on est sur, sur quelque chose à la dure quand même. Bon, je pense qu'on peut revenir sur les 10-12 heures en partant sur un build qui est un castor par exemple qui marcherait mieux. Et puis en faisant pas les erreurs que j'ai fait là pendant ce premier leveling. Donc c'est un peu l'objet. C'est que moi j'ai essayé de synthétiser un petit peu pour vendredi voilà, tous les choix que j'ai fait et comment je les ferai différemment par la suite. Et j'essaie de vous en faire profiter. Donc on va passer à la partie conseil. Donc on va commencer par les gemmes. Donc comme je l'ai dit, les gemmes sont disponibles en très faible quantité. Vous aurez juste des skill gemmes en récompense de quête. Sioza et Lilliroth à l'acte 6, c'est plus je peux acheter mes gemmes comme je veux. C'est vous n'avez accès encore une fois qu'à des gemmes actives et vous n'avez qu'un, enfin deux tokens dans toute la campagne pour prendre deux gemmes et c'est tout. Tout le reste, il va falloir le dropper. Bien sûr, les chances que vous droppiez les gemmes qui vous intéressent sont extrêmement limitées. Alors, vendredi, ce que j'ai pas fait là, je me permettrai d'échanger avec les autres joueurs. Ce qui me permettra peut-être d'avoir un peu plus de gemmes, mais il y a des choses comme une aura de détermination, genre quasiment tout le monde la run, ça va être très très peu disponible, donc il faudra s'en passer. Hein. Donc au niveau des gemmes, ce qui est intéressant dans la récompense à ne pas négliger, c'est toutes les gemmes qui vont pouvoir vous apporter un buff passif, qui vont venir vous aider. Donc je pense par exemple aux guard skills, par exemple comme Molten Shell, je pense à des petits totems qui vont vous donner un boost de dommage, les Warcry, si vous êtes plus caster, on peut imaginer des Ball Lightning ou des Frost Bomb, c'est-à-dire des compétences qui restent sur place et qui continuent de faire du dégât, même si ça peut paraître insignifiant, vu que vous allez sans doute vous balader avec votre skill gem toute seule d'attaque, ou peut-être avec un ou deux links, grand maximum, ça a de l'importance. Donc tout ce que vous allez pouvoir grabber comme gemmes qui vont venir booster vos dommages ou vos défenses va être plus que bienvenu. Ça va être assez important. Au niveau du drop des items qu'on va vouloir garder, je vous recommande chaudement de garder tous les anneaux, y compris les blancs, hein, bien sûr. Les anneaux, les amulettes, les belts, gardez-les. Vous pouvez jeter une petite transmute de temps en temps pour essayer de chercher des résistances. Et Dieu sait que vous allez en avoir besoin. Faut pas oublier qu'on n'a pas le bench pour se crafter la petite résiste qui nous manque. On a très peu de currency. Donc il faut garder, vous voyez, là j'ai mon anneau. Bon, il y avait 9 de fire résistance, je me le suis gardé au chaud. Puis quand j'en ai besoin, je le sors. Celui-là avait même pas d'autres résistances. Vous voyez, je suis juste avec un 12 cold and lightning résistance. Ma belle, j'ai eu du bol, j'en ai trouvé une pas mal, qui a deux résistes, hein, c'est 10 et 12%. C'est ce niveau-là d'angoisse qu'il va falloir prendre en compte. Mes gants sont blancs, ce maillet est pas trop mal, mais c'est pas non plus la folie, hein, totale. Là, j'ai un casque avec un petit roll de lave, deux petits rolls de résistes, je suis refait. Pour les bottines, y a de la résistance et un petit peu de vie, j'ai gardé, tant pis, il n'y a pas de move speed. Donc vraiment, voilà, c'est au niveau du loot, il va falloir mettez pas trop de loot filter, hein, c'est pendant la campagne, hein, à plus forte raison, ça va être extrêmement difficile. Donc tout ce que vous allez pouvoir prendre comme résistance, ça va vraiment être très important. Alors on verra qu'on peut aussi en mettre dans le tri, mais voilà, il faut vraiment se préparer à une grosse attrition au niveau du loot, donc chaque ressource va être très importante. Les items blancs, vous pouvez les donner au vendeur pour avoir des parchemins scroll. Les items bleus, et c'est valable aussi d'ailleurs pour les items rares, quand ils sont identifiés, ils vous donnent pas d'altération shard, ils vous donnent des transmutations shard. Donc pour les items rares, je me permets de le faire systématiquement. Par contre, pour les items bleus, je n'identifie que ceux qui pourraient m'intéresser pour mon personnage, et c'est ce que je vais faire vendredi, parce que globalement, un parchemin pour identifier un item bleu que vous revendez au vendeur, s'il vous donne un ou deux altérations charme, globalement, ça veut dire qu'il vous voudra 10 ou 20 items pour avoir une transmute. Sauf qu'une transmute, si je la donne à un vendeur, il va me donner l'équivalent de 3 ou 4, je sais plus, parchemins d'identification. Donc on voit que c'est pas worse. J'étais toujours à poil de Scroll of Identification. Depuis que j'ai arrêté, le Scroll of Identification remonte un petit peu. On en est là, hein. On en est à gérer les Scroll of Identification. Pareil, ramassez bien les Portal Scrolls, parce que globalement, c'est la seule chose qui va vous sauver la mise sur les boss, puisque si vous mourrez, les boss récupèrent de la vie. Donc avoir un portail d'ouvert en permanence dans les combats de boss pour vite se tirer quand les potions sont vides,
et revenir parler à un des PNJ qui vous re-remplit vos potions. Hein, pour info, les potions ne se remplissent pas toutes seules quand on arrive ici. Pour les remplir en mode ruthless, il faut parler à un PNJ qui va vous les re-remplir. Donc bah ça va être une ressource qui est assez importante. Là vous voyez, donc j'ai 22, plus de 20 heures de jeu, on est à l'acte 10, et là ce que vous voyez c'est absolument tout ce que j'ai looté en termes de currency. Vous voyez, c'est très limité, hein. Et vraiment j'ai pas eu de loot filter, j'ai pas boudé ni rien, j'ai ramassé tout ce que je pouvais, j'ai 6 blacksmith stone, 20 armor scrap, c'est vraiment la dèche. Donc voilà, il faut bien ramasser les items rares systématiquement, les bleus qui vous intéressent, et essayer de les identifier. Au niveau des récompenses de quêtes, je vous invite à faire des quêtes secondaires. Je pense que je ferai une liste un peu plus détaillée. Mais de toute façon, je vais vous mettre dans le lien un Google Doc qui a été fait par la commune des alpha testeurs de Ruthless, dans lequel ils répertorient un certain nombre de récompenses qui se trouvent aux différents endroits, puisque les récompenses de quêtes ne correspondent pas au mode normal. Je ne sais pas si ça viendra à être mis à jour sur le wiki proprement, mais en tout cas pour l'instant il y a ce Google Sheet qui est disponible et qui sera en lien. Donc pas hésiter à aller faire les quêtes qui vous donnent des potions, parce qu'encore une fois les potions bah, c'est des layers de défense supplémentaires et vous ne pouvez pas vous permettre d'en faire l'économie, en sachant qu'en mode ruthless, les potions ont une durée qui est plus courte que dans le mode normal et vous ne regagnez pas de charge quand vous tuez des mobs pendant l'effet de la potion. Donc si je claque toutes mes popos et que je tape un pack de mobs, bah ça les re-remplit pas parce qu'il faut attendre la fin de l'effet avant que je tue des mobs pour pouvoir remplir les potions. Donc on est vraiment sur de l'attrition, encore une fois, hein, ça va. C'est le mot-clé. Les gemmes, vous les ramassez systématiquement parce que bah, tout ce qui va être gemmes de support, toutes les auras, même si vous ne les renez pas, vous pouvez les échanger à d'autres joueurs. Et ça va être essentiel pour essayer d'avoir celles qui vous intéressent, vous. En tout cas, en début de jeu, vous ne pouvez pas en faire l'économie. Et puis, si vous galérez à trouver vos gemmes de support, vous allez prendre des options qui vont avec. En l'occurrence, je joue Bone Shatter. Dans mon setup de fin, il n'y a aucune des gemmes support qui sera disponible. Mais là, comme je les ai droppées, je les ai mis dessus. Donc, je joue avec Ruthless, Mame et Added Cold Damage. Je joue avec Cruelty, parce qu'un temps que j'ai continué à leveler au cas où, qui est ici. Ça n'a aucun rapport hein, avec le but que je joue, hein. C'est un but qui est normalement pure physical, où je vais jouer avec Brutality, melee physical damage, ce genre de choses. Ça n'a rien à foutre dedans, mais bon, bah, ça me donne un peu plus de DPS, donc je le prends. Je réfléchis même pas. Si vous avez accès, dans les récompenses de quêtes, je vous recommande grandement Enduring Cry, hein, qui vous donne des endurance charges et vous donne de la vie. Les endurance charges vous apportent des résistes élémentaires, donc si vous galérez à les stacker, c'est quand même pas mal. Et de la régène de vie, on la prend, puisque c'est pareil, avoir les potions à jour, c'est pas forcément toujours évident au début. Donc c'est un bon plus. C'est un bon plus. Je me suis permis de balancer des petites transmutes dans mes propos de support. Parce que c'est pareil, à un moment donné, je manquais de résistance élémentaire, donc j'en ai trouvé là-dessus. Il y a un peu de... Toutes les ressources, en fait, on va essayer de les grappiller pour continuer d'avancer, quoi. Au niveau du build que vous avez joué, moi, je suis parti sur un build de SSF. Ce que je pense faire vendredi, c'est un peu l'adapter. Puisqu'au final, j'ai un peu des notes de résistance élémentaire et je suis allé les chercher tout de suite pour m'aider à caper. Mais au final, vous aurez beaucoup de mal à les trouver dans le gear. Je pensais qu'avec les endurance charges de mon jug, ça suffirait, mais ça ne suffit pas. Donc, je vais modifier un peu le tri d'ici vendredi pour aller prendre des endurance charges. Après, moi, je vous recommande pas de faire ce que je fais, de partir en mêlée. Je le recommande jamais, parce que c'est un leveling qui est plus compliqué qu'un leveling de caster. Et là, dans Ruthless, c'est encore plus compliqué, donc vous allez passer encore plus de temps et avoir beaucoup plus de difficultés. Donc voilà, j'ai eu du bol en plus sur une récompense de quête là, sur les derniers actes. J'ai eu une jewel où il y avait double résiste élémentaire. Donc en plus, j'avais une mue de Global Fizz, j'étais refait. On en est là, hein. Vous trouvez un item bleu avec deux stats qui vous intéressent, vous êtes content quoi qu'il arrive. Hein. Vous êtes content quoi qu'il arrive. C'est l'intérêt de Ruthless aussi, c'est justement que tous les items sont potentiellement des upgrades. Vous avez toujours cet espoir. Et avec le moindre petit jump de support que vous trouvez, ça peut vous faire la journée, quoi. Donc c'est ça qui est cool.
Mais du coup, il faut se préparer et avoir peut-être un build où dans le tri, vous allez chercher plus de résistance élémentaire. J'ai plus de points de vie et de crise points de vie potentiellement à aller chercher. Je suis pas allé les prendre ici parce que, bah, comme vous voyez dans mon stuff, vu que j'ai priorisé les résistes, des stats de live, j'en ai pas énormément sur tout mon gear. Et du coup, avoir des increases sur un niveau de vie qui est un peu faible, je trouve pas ça au mieux. Je pense que je préfère aller chercher des layers de défense au final qui, eux, vont s'appliquer tout de suite. Booster votre armure, votre réveil, votre suppresse, ce que vous voulez. Tout ce qui va vous apporter de la stat tout de suite est plus intéressant, je trouve, et augmenter des points de vie pour augmenter des points de vie. Mais de toute façon, déjà, vous occupez à caper les résistes, ça va vous tenir normalement tout le long du leveling, et même après, ça va être un combat de tous les instants. Ceci étant dit, on a parlé du loot, on a parlé des gemmes. Oui, aussi pour les résistes, vous avez des bandits, je sais plus lequel, qui vous propose de, au lieu des deux points de stade, de vous donner des résistances. Je l'ai pas pris ici, parce que je pensais qu'avec les endurances charges, ce serait suffisant. Vendredi, il y a de fortes chances pour que je le prenne, pour que ça m'aide à avoir toujours plus ces résistances capées. Néanmoins, faites attention parce que ça veut dire que quand vous voudrez respé plus tard, ça coûte quand même assez cher en Orb of Regret. Et vous voyez que des Orb of Regret, là j'en ai pas eu beaucoup dans le leveling, mais globalement ça va être comme tout hein, dans le mode de jeu, ça va être une denrée rare. Donc vous n'allez pas pouvoir vous permettre d'être dispendieux sur les ressources que vous allez vouloir dépenser. C'est pour ça que aussi que je vous invite plutôt à partir de caster parce que c'est peu de ressources que vous allez avoir. Vous allez à un moment ou à un autre devoir les investir aussi sur votre arme si vous partez corps à corps ou n'importe quel build attaque. Et c'est du currency que vous n'aurez pas pour mettre dans votre stuff de défense. Quoi dire ? Donc je vous ai bien dit qu'un sur les combats de boss, pensez bien à poser vos portails et à back sur les portails. Il vaut mieux que vous fassiez des allers-retours en plus et que vous dépensiez quelques portails plutôt que vous perdiez, enfin vous mouriez une fois et que le boss régénère max de vie. C'est. Bon, déjà, c'est. C'est dur mentalement, mais en plus, petit twist, la plupart des boss, si ce n'est tous, ont des phases. Alors, il y en a qui sont très visibles, mais il y en a qui ne sont pas forcément visibles. Mais globalement, au fur et à mesure que vous leur descendez des PV, leur rythme d'attaque ont tendance à augmenter et les dégâts qu'ils font ont tendance à augmenter. Et vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous arrivez à la dernière phase, là où il fait plus de dégâts de façon la plus intense, avec les patterns les plus compliqués. Et si vous mourrez sur cette phase-là, quand vous revenez, il a récupéré des PV plus haut que le niveau où se déclenchait cette phase, mais il est toujours dans cette phase-là. Donc ça veut dire que vous devez refaire le combat quasiment du début, mais avec un boss qui sera tout le temps en P3. Donc, vraiment, on va essayer de pas trop mourir sur les boss. Je pense que vendredi sera un peu plus simple, parce que là, on a encore les Archnémésis, mais vendredi, ils ne seront plus là. Donc ça va bien nous aider, et ça, c'est cool. Mais ça va être chaud patate. Voilà, que vous dire de plus, il me semble que j'avais d'autres choses en tête. Je vous ai parlé du matos, je vous ai parlé du build, je vous ai parlé des gemmes. Je vous ai dit de regarder les quêtes secondaires. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. L'ambiance pour l'instant, là j'ai coupé le chat, mais l'ambiance dans le chat était plutôt bonne. Il y avait plutôt un esprit d'entraide, mais on était dans l'alpha. Donc plutôt des testeurs, donc... on n'est pas là à se tirer la bourre. Je sais pas si vendredi l'ambiance sera la même. Petite chose à ne pas oublier hein, dans votre build. Vous n'avez pas de point d'ascendance pour le Uber Labyrinthe. Vous pouvez run le Uber Labyrinthe, mais il n'y aura pas de point d'ascendance. Donc vous devez vous démerder avec un build où il y aura à terme de toute façon que 6 points d'ascendance. Hein, donc ça c'est à tenir compte. Vous ne trouvez pas systématiquement Alva à l'acte 7. Elle a une chance de proc, mais il n'y est pas systématiquement. C'est pareil, tous les sites comme ça. J'ai pas vu une seule beast de Enhart pendant tout le leveling. J'ai trouvé une note de Nico. On allait juste de quoi lancer la delve, mais juste de quoi faire l'intro et c'est tout. Donc ouais, c'est vraiment l'attrition d'absolument toutes les ressources. Donc préparez-vous, ça va être violent, mais pour ceux qui veulent relever le défi,
Je pense qu'il y a vraiment, enfin, moi, il y a beaucoup de boss où je les passais d'ordinaire Osef en avance et puis voilà. Là, j'ai vraiment cette sensation quand je finis le combat que il s'est passé quelque chose que je me suis donné et que j'ai réussi à passer un cap et c'était très satisfaisant sans avoir le défaut du, enfin le défaut, la caractéristique du hardcore où vous perdez toutes les sous et vous recommencez du début. Moi, c'est quelque chose qui me va bien. Je pense que si je devais prendre un MD5 et mourir sur un combat de boss comme ça, je dirais c'est pas grave, je le relance et puis on passe à autre chose. Ce serait moins frustrant pour moi que le hardcore, mais après c'est à vous de voir ce qui vous va bien. Voilà, écoutez, je pense que de toute façon je vous referai un poil là-dessus. D'ici la fin de la semaine, ça m'étonnerait que j'avance beaucoup plus sur le perso parce que je suis un peu occupé. Mais là, avec la ligue qui va commencer où on va partir en Rustless, je vous ferai certainement un point sur mon avancée quand on sera au map, etc. L'ambiance, mes petits conseils toujours. Puis voilà. Voilà, quoi qu'il arrive, je vous souhaite en tout cas un bon jeu. Vendredi, que vous soyez en Rustless ou pas, bah, si vous faites la ligue, je vous souhaite plein de bons loot et de plaisir sur le jeu. Moi, je suis très content. Je vous avoue que là, vraiment, ça m'a épié de faire l'alpha. C'était, j'ai vraiment retrouvé des très bons feelings sur Path of Exile. Je suis très content. Et je pense que ça va devenir mon mode de jeu principal. Donc, préparez-vous à ce que les vidéos sur YouTube traitent principalement de Rustless. Et bon, après, il y a des choses qui sont dans Rustless qui seront applicables ailleurs. Hein. Si on parlera de la, je pense, de la mécanique de ligue, le roguelite qui a l'air très intéressant comme mode de jeu, là qui va être mis dans Sanctum et qui en plus, bah, avec comment ça s'appelle, les reliques qui peuvent être utilisées en dehors du roguelite, qui sont vraiment game changer. Hein. C'est vraiment l'équivalent des alignments, peut-être des cluster jewels peut-être pas autant quand même que les Timeless Jewel. Mais bref, c'est vraiment impactant sur votre build. Parce que bah, vous pouvez trouver des plus un target sur du corps à corps, par exemple, ce genre de choses. Donc ça peut même être parfois des builds en enableur, je pense. Mais bon, on en reparlera plus avant, après que la ligue ait commencé. Donc moi, je vous souhaite plein de petites patates, que vous vous amusez bien sur le jeu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous YouTube, prenez soin de vous.